Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons découvrir comment partager un classeur lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs. Il est bien évident que ce classeur, vous devrez l'enregistrer en réseau. Or, pour ce faire, si vous êtes donneur d'ordre, vous devez aller cliquer dans l'onglet Révision et sur l'icône Partager le classeur. Et là, vous devez cocher « Permettre une modification multi-utilisateur ». Si je vais dans l'onglet « Avancer », je peux constater que je peux faire des mises à jour des modifications multi-utilisateurs, bien sûr, tous les 15 minutes, ou moins, ou plus. Je clique sur « OK ». Et Excel vous demande d'enregistrer votre classeur. Il est évident que ce classeur devra être impérativement enregistré en réseau, pour justement pouvoir partager ce classeur avec d'autres utilisateurs. C'est ce que je fais. Une fois que ce classeur est enregistré, tous les utilisateurs pourront apporter des modifications au même classeur. Si bien sûr, et pour une question de sécurité, vous souhaitez enlever ce partage de classeur, il suffit de cliquer sur l'onglet Partager le classeur et décocher dans l'onglet Modifications Permettre une modification multi-utilisateur. Je clique sur OK et je clique sur Oui. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a aiguillé sur les manipulations à faire pour partager un classeur en réseau. Merci de votre attention et vous dis à bientôt. Au revoir.